Je vais parler justement de facteur importation. Today I'll teach you about the factor of importation. Tout d'abord, tu ne peux jamais être impacté spirituellement sans que ce soit grâce à l'onction. First of all, you can never ever be imported spiritually without the anointing. Parce que c'est l'onction qui nous impacte. Because the anointing is the factor that imports us. Parce que c'est grâce à l'onction que nous avons des traces de l'impactation dans et sur nos vies. And it's because of the anointing that we have those marks of importation upon our lives in everything we do. Je vais prendre une des définitions que j'ai donnée le vendredi sur l'onction, qui est une capacité surnaturelle. Mais je vais rester dans le domaine des capacités surnaturelles. I will go back to one of the definitions I gave of the anointing, as the anointing being a supernatural ability. Je veux que tu me suives très, très attentivement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tu ne dois pas être juste quelqu'un qui remplit des notes, des écritures, des choses que tu remplis dans tes notes, et puis après tu ne les vis pas. Et tu commences à comparer un tel enseignement. Papa a dit ceci, mais il veut parler encore de l'impactation. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a. Et tu as la foi de la tête pour l'appréciation des enseignements, non pas la foi de l'âme qui apporte la vie. And I want you to listen to me very, very carefully and not just take whatever you write here and go back and read them only. But you need to have that faith, not of your brain, but the faith of your soul, which will change you into another person after hearing these teachings. C'est vrai que je peux parler d'un seul sujet, un même sujet 10 fois. Je vous dirai 10 choses différentes. Mais dans ces 10 choses différentes, la seule question que Dieu te pose, celle-ci. Qu'est-ce que ces 10 manières de te révéler les mystères ont apporté dans ta vie? Qui tu es devenu après avoir reçu 10 nouvelles révélations? You know, you can say that you've heard the same teachings many, many times before, but let's ask ourselves a question. What have you done with those teachings that you've heard before in the way you've heard them? What have those teachings made you or changed your life into? Tu écris la première définition de l'onction de ce matin. So please write down the first definition of the anointing this morning. L'onction, the anointing, est une capacité surnaturelle. The anointing is a supernatural ability. In capital letters, supernatural ability. Capacité surnaturelle. Supernatural ability. Write that down in capital letters. Que Dieu déverse sur un homme. That God pours upon a man. Qu'il a mis à part. That he has set apart. Pour rendre l'homme capable de faire les choses que ses frères ne peuvent pas faire. In order to enable that person to do things that his brothers cannot do. J'ajoute encore à côté de cela. Let me also add another factor. C'est une capacité surnaturelle. It is a supernatural ability. Qui amène la personne où elle. Which leads the anointed man atteindre des niveaux non atteints avant to reach levels that he has never reached before. Atteindre des dimensions non atteintes avant to reach levels and dimensions that he had never reached before. C'est une capacité surnaturelle. It is a supernatural ability. Qui fait que l'homme naturel avec ses contemporains se démarque. Which makes sure that the person with his people, with his friends around them, that person will come out of that group. C'est-à-dire, it means, mon fils vient. Au départ, nous sommes tous sur la ligne de départ. In the beginning, we are all on the same starting point. Je viens aussi. Let me call someone else, a third person. Nous étudions dans les mêmes universités. Let's say that we used to go to the same university. Nous sommes sortis de la même famille.
We are brothers from the same family. Nous travaillons dans la même entreprise. We work in the same company. Jusque là, rien de spécial, rien de particulier. Up to this point, there's nothing special. Everything is normal. Jusqu'à ce que, until one day, quand l'onction arrive, when the anointing arrives, sur lui, on my first brother here, il dira qu'il est impacté. Comment? How will we know that he's been imported? How? L'onction le fait partir au même niveau qu'il était avec son frère. The anointing removes him, takes him away from the level he was at with his brother before. Il évolue. He's moving forward. Alors que lui reste en train de travailler avec les efforts naturels humains, avec son cerveau, avec ses réseaux, ses connaissances naturelles. And this brother who stayed behind is still working for God, but he's working with his knowledge, with his brain, with the physical attributes only. Quant à lui, when it comes to the other brother in France, l'onction l'a permis d'atteindre un niveau jamais atteint avant. The anointing allows him to reach a level that he never reached before. C'est pourquoi nous disons que c'est une capacité surnaturelle qui n'est pas naturelle. Les capacités naturelles sont nos cerveaux et qui sont liés aux cinq sens naturels. Lui, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter et autres. And the anointing is a supernatural ability. Supernatural means outside of the natural. It goes beyond our five senses, sight and the ability to smell or to taste anything. The anointing goes beyond those factors. Nous nous battons comme tout le monde. We are basically fighting like everybody does. Nous sortons le matin pour attraper le bus. Every single day we go out in the morning to catch the bus. Nous utilisons les réseaux classiques qu'un être humain peut utiliser. We use the same ways that any other human being can use. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Sometimes things work, sometimes they don't work out. Jusqu'à ce que l'onction vienne. Until the anointing arrives. Quand l'onction vient, when the anointing arrives, si nous disons que c'est une capacité, cela sous-entend qu'avant l'onction, nous étions des incapables. If the anointing is a supernatural ability, that means that before the anointing came, we were not able to do anything. Avant l'onction, avant l'impactation, nous donnons des signaux d'incapacité. Before the anointing, before importation, we showed signs of being unable to do things. Dans plusieurs domaines. In many areas of our lives. Merci. Vous pouvez retenir vos places. Maintenant, on ouvre la parole de Dieu. J'entends quelqu'un dire capable. Able. Capable. Able. J'attends de l'onction. I'm expecting the anointing. De nouvelles capacités. To give me new abilities. Que je sorte de mes incapacités. For me to leave my inabilities behind. Pour me plonger dans le monde des capacités. To get into the world of abilities. Puisqu'elles sont surnaturelles. Because they are supernatural. Mes capacités surnaturelles, my supernatural abilities, deviendront illimitées, will be unlimited, au-delà de mes limites naturelles, beyond my natural limitations. Amen. 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 31:1-5, Exode. Let's go to the book of Exodus. 1 à 5. Exodus chapter 31, from verse 1 to verse 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Tu me soulignes ça? Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, de l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois,
et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire, it means, le verset 3, 4 et 5, from verse 3 to verse 5, ne pouvait pas, could not, venir dans ce monsieur, come into this man, Bezaleel, avant l'impartation. Unless importation took place first. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Dieu donne la vision, suis-moi bien, Dieu donne la vision du tabernacle à Moïse. God gives the vision to build the tabernacle to Moses. Quelque chose de tentaculaire et de mystérieux. Personne n'avait jamais vu une telle architecture, une telle œuvre d'art avant. It was something that was never done before. No one ever thought of building something like the tabernacle before. Sur la montagne, Moïse est seul avec Dieu. On the mountain, Moses was all alone with God himself. Ah, souvenons-nous de la spiritualité aux trois dimensions. Remember the spirituality. L'enseignement pendant le confinement, ok? Remember the spirituality of the three levels, what we taught during the lockdown. Moïse est seul et il parle avec Dieu. Moses is alone talking to God. Dieu lui ouvre les cieux. God opens the heavens to him. Il lui montre les tabernacles célestes. He shows him the tabernacle in heaven. Les mesures, longueur, largeur, hauteur et tout. Every type of measurement revolving around the tabernacle. Les couleurs de tissus. As well as the color of everything La they would use. La valeur et le poids de l'or. The size of the gold that would be used to build. Qu'il fallait. That was needed. Et toutes ces choses-là. All those materials. Même le volume de la cuve. Even des reins. Even the volume of the vessel. Et puis il lui dit, attention. And then he told Moses, be careful. Tu vas faire exactement selon ce que tu vois là. You will build it exactly as you see it. Moïse descend de la montagne. So Moses came down from the mountain. Maintenant il commence à se poser des questions. And then he started asking himself questions. À qui est-ce que je vais expliquer ce que Dieu vient de me faire voir pour qu'il me les reproduise in extenso? Who is that person to whom I'm going to explain these things so that he can reproduce it exactly as God showed me these things? Il regarde parmi le peuple. He's looking among the people. Il approche celui-ci. He gets close to one person. Il essaie de changer avec lui. Oh, non, celui-ci comprend encore. He tries to talk to one person. He says, no, it's not that one. He doesn't understand. Il va encore. Il approche. Il tente avec l'autre. He tries with another person. Il lui explique. Il explique. Il sent que le monsieur fait semblant de comprendre la vision, mais dans la pratique, il n'y est pas. He tries to explain to that person, and someone else pretends to understand, but then he can't practice it in the same et way. Jusqu'à ce que until the day, Dieu a vu en Moïse ce questionnement. God saw Moses' unrest. Alors il revient lui dire. And then he came back to him. Au sujet de ce dont je t'avais montré là. He said about what I showed you the last time. J'ai déjà pourvu, t'en fais pas. Don't worry, I already found someone. Sache que j'ai déjà oint quelqu'un. Understand that I've already anointed someone. Qui va comprendre exactement ta vision. Who will understand exactly your vision. Il va pas seulement en parler. He won't just talk about it. Que non, Moïse m'a montré le tabernacle. Moïse m'a parlé d'une histoire formidable. Mais il va le démontrer dans le fait. Yeah, that person won't just say, Moses showed me the tabernacle. But that person will actually show that he understood the vision of Moses. Combien disent comprendre notre vision? Combien disent qu'ils sont circoncis dans notre vision? Mais dans la pratique, tu les trouves loin du compte, en train de faire leurs propres affaires. Mais ils vont continuer à appeler ça circoncision dans la vision du Père. How many people today pretend to understand our vision? How many people pretend to actually understand what God has put in our mind? They do other things and then they pretend to be serving, to be circumcised in the vision. Et Dieu voulait dire à Moïse. And God wanted to say to Moses. Pour que tu aies la certitude. For you to be sure. Que tel monsieur. That this gentleman. Est vraiment dans ton onction. Is really in your anointing. Le signe. The signs sera qu'il sera capable de traduire dans le fait les choses que je te dis. One of the signs will be that he will be able to actually show the works of the vision that I showed you. L'onction que j'ai déversée sur toi, the anointing that I poured on you, il en aura une portion. He will have a part of that anointing. Dans ce domaine là, in that domain of il va reproduire exactement les choses. He will create exactly things in the. Tu ne seras jamais. If you never be le fils onctionnel de l'apôtre, an anointed son of si the apostle, tu es incapable if you are unable de faire exactement ce que moi je veux,
to work exactly in the way I want you to work. Tu ne peux pas être fils onctionnel de l'apôtre. You cannot be an anointed son of Apostle Leopold. Si tu es incapable, if you are unable, de prendre des initiatives, to take initiatives. Quand je vois, when I see those alors initiatives, que je t'avais rien dit. Maybe I didn't even tell you to dès do anything. Que tu commences à poser des actes, but when you start behaving by mon yourself, âme à moi est dans la certitude que cet enfant a compris les choses. My soul will understand that this child understood and received something from God. Qui me comprenne bien. Amen. C'est pour cela. This is why. Nous avons des foules de gens qui nous entourent. We have so many people around us. Mais dans les faits. But in reality, dans la pratique, when it comes to practicing, ils sont incapables, they are unable, de reproduire la réalité de la vision et de l'onction. To actually show the reality of the vision and of the anointing. Donc cela veut dire, that means, beaucoup peuvent approcher un ouais, many can get close to an anointed man, mais forcément ils sont pas impactés. But they're not necessarily imported. Parce que l'impactation, because importation, dès qu'elle arrive, once it arrives on elle you, te rendra d'abord capable, it will make you able, de reproduire dans le fait et geste, to do exactly in the way you work, dans la and you pensée, act, dans les paroles, in the way you speak and think, dans l'attitude, dans le comportement, in your attitude and your behavior, dans le réflexe, in your reflexes, dès que tu fais quelque chose, once you do something, mon âme te bénit. My soul will bless you. C'est pour cela. This is why. Même dans le temps d'Isaac. Even in the time of Isaac. Qu'est-ce qu'il dit? What did God say? Mon fils. He said, my son. Va me chasser le gibier. Isaac said, my son, go find something for me. C'est an la animal. Première chose. That's the first thing he asked him. Reviens avec le gibier. And he said, come back with that animal you will kill. C'est la deuxième. That's the second step. Prépare-le. He told Jacob, cook c'est it. La troisième. That's the third requirement. Mais comme j'aime. But do it in the way I love it. Amen. C'est là que je saurai que tu es digne d'impactation. Only then will I know that you are worthy of the importation that I will put on you. Si tu prépares autrement, if you cook another meal, selon toi, according to your selon knowledge, tes intentions, according to your selon tes pensées, according to your thinking, tu n'auras rien de moi. You will miss out on that importation. Jusqu'à ce que until tu fasses les choses telles que j'aime. You do things exactly the way I love them. Alors je vais libérer l'impactation. That's when I will release the importation. Amen. Beaucoup, many, beaucoup, many people restent aux côtés de ouais, spend so much time around mais ils passent à côté des choses. But they miss out on so many things. Ils vont faire semblant. They will pretend. Ils peuvent montrer aux gens. They will act as if les they gens understand. Même peuvent croire. People can even believe que le fait qu'il est resté longtemps aux côtés de loin, that he spent so many times with the il a compris man, des choses. That he actually non, non, avec something. Dieu, ça ne se passe pas comme ça. No, it doesn't work like that with God. Ça se passe jamais comme ça. Never, it doesn't work like that. Gehazi est allé à côté de la grâce à cause de cela. Remember, Gehazi missed out on the grace because of that attitude. Il était l'un des proches. He was close to Elisha. Préparé. He was trained. Pour hériter triple onction. To inherit the third time the anointing of Elisha. Eli, Elijah's anointing, a reçu une portion. Elijah had one pot Élisée of the double portion. Elisha received the double lui of the anointing. Lui s'attendait à triple onction. Gehazi has to receive three times that anointing. Il a raté. Unfortunately, he missed out on it. Et pourtant, il était là. But he was next to Elisha every day. Tout le temps. Every day. Mais tu verras. But you will see. Dans les stages qu'il recevait de son père, il échouait. Tu montres qu'il était pas prédisposé à l'impactation. Whenever he was being trained, he kept on failing. You can see that he was not prepared for that importation. Un jour, son père lui dit. One day, his father told him. Tu vois, l'enfant de la Tsunamite est mort. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Va prier pour lui. Prends mon bâton. He said, go pray for the Tsunamite woman and go pray for her. Take the rod and go pray for her. Il arrive. Once he got there, rien ne se passe. Nothing happened. Et pourtant, c'est un proche. But he was close to the anointed man. C'est son fils. He's the spiritual son of Elisha. Qu'est-ce qui se passe? But what happened then? Comment ça se fait-il? How come? Que l'homme de Dieu aille dans la tombe avec sa double portion. The anointed man can go to his grave with the double part of the anointing. Au point que lui mort physiquement. To the point where his corpse, his dead mais body. Mais son onction vivant d'éternité. However, his anointing, which was still alive, continue à ressusciter d'autres morts. Was still raising other dead after him. Mais lui, but Gehazi, couvert de lèpre toute sa vie, had leprosy for the rest of his life.
Pourquoi? How come? Parce qu'il a raté l'occasion que la chose divine surnaturelle le rende capable. Capable. J'entends quelqu'un me dire capable. Can you say able? Capable. Able. Ferme les yeux, dis de tout cœur capable. Close your eyes and say able. Alléluia. La capacité surnaturelle. The supernatural ability. De te démarquer. To set yourself apart. De commencer à interpréter les choses. To start working things, interpreting things. Dans tes dires. In the way you talk. Dans tes gestes. In the way you behave. Dans tes faits. In the way you work dans around tes people. Propositions. In the way you make proposals. Quand tu proposes à l'homme de Dieu quelque chose. When you have an initiative to the man of God. Il reste calme en train de te regarder. The man of God will look at you. Il secoue la tête dès que tu ressors. And then sometimes he doesn't even know where you end et up. Il bénit Dieu. And then you praise the Lord. Dit, wow, Seigneur. He will say, oh, praise comment the Lord. Cet enfant peut comprendre les choses comme ça? My son really understands things in the way I love. Parce que l'onction est descendue sur lui. Because the anointing came down on him. L'a rendu capable. And made him able. Capable. Able. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? What does God tell Moses? Qu'est-ce qu'il lui dit? What did he tell Moses in the Bible? On reprend le verset 3. Let's go back to verse 3. Exodus 31. Être impacté. Being important. N'est pas seulement synonyme d'être béni, guéri, devenir prospère. Non. Doesn't just mean that you'll be prosperous, blessed and healed. No, it doesn't end up there. C'est plus que cela. It is more than those c'est things. C'est loin plus grand que tout ça. It is way greater than all those things you can parce imagine. Parce que quand tu es humain. Because when tu as une spiritualité faible, you have a weak spirituality, tu vas réduire la grandeur de l'impactation à ton niveau humain. You will take the greatness of the importation to your human level, which is little. Au lieu de 80%, instead of looking at it at 80% dans of its capacity, sa miséricorde, il peut t'accorder 20 ou 25. In his mercy, God can allow you to understand 25% of that importation. Tu ne peux pas prendre la grande chose divine, you cannot take this great divine thing, appelé onction qui t'impacte, God the anointing which can impart et you, et tu la réduis juste aux solutions de tes problèmes au quotidien. And after that, you just reduce it as a problem solver every day. No. C'est pour cela this is why qu'Élisée, Elisha, dans sa réponse à Élie, when he answered, when he replied to Elijah, demande ce que tu veux. Elijah said, ask me what you want. Si toi et moi on était à la place d'Élisée, if you and I were next, were in the place of Elisha, on allait demander à Élie, we would have asked Elijah, tu laisses combien de maisons? We would have asked him, how many material things are you leaving? Donne-moi le titre de toutes les maisons que tu as laissées sur terre. Give me all of your belongings. I want those things, nothing else. Tu as combien de comptes en banque? How much do you have in your bank account? Est-ce que tu peux me montrer les cartes de crédit? Can you give me your cards from your banks? Je veux savoir. I want to know. Il y a combien de véhicules que tu as? J'ai vu tu avais 3 véhicules. Il y a d'autres que tu as cachés. Je ne sais pas. C'est ce que je veux hériter. Tell me, how many vehicles did you leave around? I want to inherit those things instead. Mais il a montré. But Elisha showed. Tout le long de la vie avec son père. During his journey with his spiritual father. Il avait les traces d'impactation, les marques d'impactation dans sa vie. There were signs of importation in his life already. Il dit, j'ai vu beaucoup de choses autour de toi. He said, I saw so many things around je you. Je peux les avoir. I can have those things. Mais c'est pas l'essentiel. But that's not important. Mais je veux recevoir ce qui fait ta force. I want to get what makes you strong. Ça, c'est une part que personne ne me prendra toute ma vie. That is something that no one will ever take away from me for the rest of c'est my life. C'est la part que Marie avait aussi choisie en son temps. That's also the part that Mariah chose in her time. Et Jésus l'a reconnu. And Jesus recognized them. Il a dit, Marie a récupéré quelque chose. He said, Mary got something special from the Lord. La chose que Marie a prise, what Mary got, personne ne pourra lui prendre cela. No one will take it away from voilà her. Voilà la chose pour laquelle tu dois te battre. That's te battre. Te battre. That's what you need to fight for. Keep fighting for that thing. Tu ne peux pas te battre pour avoir de la considération ou des titres ou des promotions alors que tu ne fais rien avec les titres. You can't work to have validation and promotion while you do nothing with those things you receive from God. Jusqu'à ce que until the day
la chose que Dieu a mis sur moi. What God has put on me. Descende sur toi. That same thing will come down on you. Et tu me le démontres. And you will show it with me. En interprétant. In translating. Textuellement. Exactly. Dans tes faits et gestes. In your acting and in the way you behave. Pas seulement en prêchant bien comme moi. Not just by preaching well like me. Moi, l'aspect prédicationnel ne m'impressionne jamais. You know, I'm not impressed by good speakers and preachers. No. Le fait qu'un prédicateur prêche bien, ça m'impressionne pas. I'm not impressed by a good preacher. Never. Parce qu'aujourd'hui, because today, il y a beaucoup de sources. Quelqu'un peut aller sur Wikipédia, il peut aller sur vidéo, il trouve un message, yeah, il avale et puis vient vomir. Ça, c'est pas tellement un problème. There's so much plagiarism today. Someone can get a sermon from the internet. So preachers don't impress me today. Là où moi je t'attends. What I'm waiting for instead, c'est sur la culture de l'onction. Is in the culture that you have of the anointing, your understanding of the anointing. Quelle éducation onctionnelle? How were you raised in the anointing? Quelle formation? How were you trained? Mon onction a produit en toi. What did my anointing produce in you after the training? L'onction qui est sur moi. The anointing that's on me. A fabriqué quel type de personne? What did that anointing produce in you as a man? Amen. Laisse-moi te dire. Let me tell you one day. Fils, son, fille, daughter. Je me rends compte que tu commences à comprendre les choses. I can see that you understand things now. Mais toi ne le dis pas encore. But don't say it instead of me. C'est pourquoi Jésus lui-même. That's why Jesus himself. A dit aux disciples. Told the disciples. C'est moi qui vous ai choisi. I'm the one who has chosen you. Mais aussi j'ai choisi un démon parmi vous. And I also chose a demon among you. Mais Philippe, and Philip, André, and Nathanael, Andrew, and Nathanael, Jean, Jacques, Pierre, John, James, and Peter, quand ils regardent Judas, when they look at Judas, c'est leur frère. They look at him as their brother. Ils allaient en mission ensemble. They used to go to the same assignments mais together. Jésus a dit, but Jesus said, l'un de vous est un démon. One of you is a demon. Il n'a pas dit qu'il était démoniaque. He didn't say he was diabolic. Mais il était un démon humain. He said he was a human demon. Pour accomplir une mission. In order to fulfill an assignment. La mort et la résurrection de Christ. Which was the death and the resurrection of Jesus Christ. Quand ils revenaient de la mission. When they came back from the assignment. Judas était de ceux qui rendaient témoignage. Judas was always the one doing the reports. Oh Seigneur. Giving the feedback. Lord. Là-bas, c'est terrible. Oh, today it was frightening. Dégâts. It was incredible today. Je pouvais lever mes mains. When I just lifted up my hands. Même à 10 kilomètres, les gens tombent. People were falling by the power of the anointing. Et puis Jésus levait la voix, il dit, au nom de... Lui-même disait, Jésus, d'abord, ok, j'ai cru que c'était à ton nom. And then Judas was always repeating everything Jesus was saying. He was among the people giving feedback every time they went on an assignment. Même les démons. He said, even demons. Nous sommes soumis à... Jésus dit, au nom de... Il dit, Jésus. Every time we were talking, when we were speaking, demons were screaming because of the power we were releasing. Il dit, ok, arrêtons là-bas. Jesus said, okay, let's stop there. Parce que je te connais. I know you. I know you. Même ils sont soumis mais à mon nom, mais toi je te connais. Even if the demons submitted to you, but I know you. Tu n'es pas à la même hauteur que Pierre. You don't have the same level as Peter. Tu n'as pas compris les mêmes choses comme Jean. You haven't understood things in the same way as John did. Tu n'as pas cette capacité surnaturelle. You don't have that supernatural ability yet. Si tu as des capacités, if you have that ability, surnaturelle, that supernatural one, c'est pour une autre cause. It is to do something else. Pour la trahison. That will be to betray me later on. Verse 6. Verse 6, in the same verse, Exodus 31. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils de Haïsamak, de la tribu de Judas. J'ai mis de l'intelligence. C'est-à-dire que avant, it means that before, que je ne mette quelque chose, before I put something in him, il était complètement idiot. He was useless before that. Bourrico. He didn't know anything. Il n'impressionnait personne. He didn't impress anybody. Puisque l'œuvre est de grande taille, because the work is so great, et d'une grande complexité, and it's very very complex as a mission, Bezalel ne peut pas en arriver seul. Bezalel can't get there alone.
Il faut quelqu'un pour l'aider. He needs someone to help him. Et cette aide-là, and that help, doit avoir des dimensions spirituelles. Must have a spiritual level. Pour être capable aussi de rendre service à Bezalel. Which will also make him able to help Bezalel. Il dit, c'est pourquoi moi-même, that's why he said, him, I'm myself, j'ai mis de l'intelligence en lui. I filled him with wisdom. C'est pas l'intelligence intellectuelle de l'école, hein? We're not talking about intellectual intelligence that you get from school. C'est no. L'intelligence surnaturelle. That is supernatural wisdom and intelligence. Écris ceci. Please write this down. Tu es un très bon écrivain, je sais. I know you love to write. L'impactation de l'onction, the importation of the anointing, vient avec des choses. Comes along with many things. L'impactation surnaturelle vient avec des choses. Supernatural anointing comes with other things. Virgile, des capacités. It also comes with abilities. Virgile, des valeurs. It also comes with values. Et les forces que nous n'avions pas. Et nous ne pouvions avoir avant l'impactation. As well as the strength and power that we could not get before impartation took place. Les choses, tu ouvres la parenthèse, même matériel, et puis tu refermes. When I talk about things, you can even mention, it can even be material things. Donc l'impactation de l'onction vient avec les choses, les capacités, les valeurs, les forces que nous n'avions pas et que nous ne pouvions avoir à moins que l'impactation arrive. So unless the importation happens, the anointing makes sure that we get those things, that could even be materials. We couldn't get them unless the importation came. Cela veut dire que that means, il y a des choses que nous pouvons recevoir. There are things that we can receive. Il y a des dimensions que nous pouvons atteindre. There are levels that we can reach. Selon le génie humain. According to our human knowledge. Mais il y a des choses que nous ne pouvons recevoir. But there are things that we can only reach. Il y a des niveaux qu'on ne peut atteindre. There are levels that we can only reach. À moins que les choses surnaturelles viennent sur toi. Unless the supernatural factor comes upon you. Il y a des niveaux que tu peux atteindre. There are levels that you can reach. À l'université. At university. À la promotion. Even when you get promoted. Et autres, de manière naturelle. It can happen naturally. Mais il y a des dimensions que tu ne recevras pas jusqu'à ce que la chose surnaturelle vienne sur toi. Unless something supernatural comes upon you. Amen. Tu me comprends bien? Amen. Cela veut dire, that means, il y a des niveaux, there are levels, il y a des hauteurs, there are certain levels, il y a des percées, there are breakthroughs, que tu ne peux jamais atteindre. That you can never reach. Ça relève des niveaux de l'esprit. That only requires the parce spiritual que dans factor. Ces zones-là, because in those areas, la bataille est spirituelle. The battle is spiritual elle first. Est affreuse et terrible. It is frightening and furious. Il y a des forces, there are powers, qui s'opposent, which are challenging one another, contre toi. Against you. Il y a des forces qui veulent que toi tu hérites, et d'autres disent non. There are powers that want you to succeed and other powers that want you to fail miserably. Jusqu'à ce que les forces qui les dépassent tous arrivent. Until the greater powers will overcome the weakest ones. Côté maternel, when it comes to your maternity, ils peuvent dire oui. They can say yes. Laissons-les terminer les études. Let's have them have children. Le paternel, ils disent non. And someone will say no. Pourquoi? Why? Il est dans la lignée de ceux qui ne doivent pas dépasser ses limites. In his lineage, he can't get to that level. Les disputes vont continuer. And those powers will fight. Et tu vas continuer à souffrir et à galérer. And you keep suffering in the human factor. Jusqu'à ce que until une force qui surpasse toutes les tendances. A power that's above all those powers arrives. Il va laisser les traces. And it will leave marks. Et te rendre capable. And it will make you able. Non selon les hommes. Not only to work according mais to the selon human la force surnaturelle venant du trône. According to the supernatural force coming from heaven. Et tu seras maintenant capable. And now you will be able. De faire des choses selon Dieu et non selon les hommes. To do things according to God and not according to men. Parce que tu sais que c'est la main puissante de Dieu, because you know it's only the qui a été libéré pour venir jusqu'à toi. Which was released in order to help you. La plus grosse erreur dans laquelle la plupart des chrétiens, surtout francophones, tombent.
One of the biggest mistakes Christians, especially Africans, make. Quand Dieu, when God, secoue les cieux, is moving, shaking the heavens, maîtrise les deux tendances, is controlling every single spirit. Il vient et te dit, bon, entre en possession de ça. When he blesses you and says, I'm blessing you with this thing. Dès que tu l'as, once you're blessed, tu retournes d'abord, numéro un, satisfaire les mêmes personnes qui te combattaient. The first thing you want to please the same people who were fighting you and hindering you from being blessed. Qui me comprend bien? Amen. Je répète. Let me say it again. Les mêmes personnes, the same people, qui voulaient te manger, who wanted to kill you, que tu ne termines pas les études, for you to not be successful, que tu sois jamais stable dans for you la to vie, never be stable in life, Dieu le maîtrise. God removes those people from you. Il dit maintenant je te rends capable. And he says now I'm making you able. De l'incapacité dans laquelle tu avais imposé. In order to make you able, in order to overcome the challenges. Tu deviens capable. I want you to be able right now. Accède à ça. Be blessed. Entre en possession. Be prosperous. Dès que tu vois ces choses, once you're financially blessed, le premier réflexe, the first thing you want to do as a human being, tu retournes auprès des mêmes personnes qui te combattaient, qui ne voulaient jamais que tu prospères. You are going back to the same people who were the reason why you were not moving forward in the first place. Tu veux te montrer un héros de la famille. You want to see yourself as a hero for the family. Tu oublies que dans cette famille il n'y a pas d'héros. You forget that in that family there are no heroes. Il n'était pas écrit qu'il y aurait des héros. It was not written that there will ever be successful people c'est in that que family. Toi, tu ignores. And you forget about those things. Qu'est-ce que tu dois faire? What should you do? Tu dois être prudent. You must be very careful. Nous aimons tout le monde. Yes, we do love everyone. Mais nous restons méfiants. But we are very cautious. Amen. Qu'est-ce qui se passe souvent? What happens most of the time? Quand tu commences à faire comme ça, when you start behaving that à way, te montrer un petit sauveur, to show yourself as a savior for the family, helping them, alors ils vont commencer à t'envoyer leurs agents. They start sending you the agents. Avec des petits dossiers, des problèmes, des soucis. Yeah, with problems, issues, problems. L'objectif, but the main purpose, ils veulent te tuer par ta propre arme. Is that they want to kill you with your own weapon. Quelle est l'arme que tu vas leur donner? What is the weapon that you will give them? Les mêmes bénédictions que le Seigneur t'a donné. The same blessings that the Lord gave you. Tu donnes l'argent. When you give them money, tu as des problèmes financiers qui commencent. You have financial problems following you. Tu rends service à quelqu'un. When you help someone, il va faire les rapports. They'll go and give the feedback. Il dit d'ailleurs, il vient de me faire ça. They'll say, look, he gave me money today. Il dit ah bon? And then they'll say, oh really? Il s'entête. Really? Il croit qu'il est plus fort que les autres qu'on maîtrise ici. Alors, vas-y encore cette fois. Does he really think he's stronger than us? Go back again. Go ask him for more things. Qui me comprend bien? You understand me? Je ne dis pas que refusez vos familles. I'm not saying vous allez avoir des réunions après le culte contre moi. Ah! I'm not saying that you must reject your family members. No. Mais c'est le grand esprit qui parle. But here the great spirit is speaking to you. On n'est pas sujetti dans ce confort, dans ce standard-là. Ne me mettez pas là-bas. Don't involve me in that thinking, in that mentality. No. C'est le grand esprit qui te parle. This is the great spirit speaking to you. Alléluia. Amen. Pour que tu sois capable. For a person will now become le faible able. Devient fort. The weak person will become strong. Le lourd devient souple. The lazy person will become devient active. Entrepreneur. The inactive person will become active. C'est les traces de l'impartation. Those are the signs of importation. C'est les marques et les signes. Those are the signs of importation. Mais fais très attention. But be very, very careful. Tu es fils de l'apôtre. You call yourself son of the apostle? En train de faire ce que tu fais là. But behaving in the way you do? Musicien. As a choir leader. As a deacon. Pasteur. As a pastor. Tu es fils de l'apôtre? You call yourself son of apostle? Est-ce que l'apôtre résonne comme ça? Do I really think in the way you do? Il pose des actes comme ça? Does he really behave in the way il you do? Il analyse les choses comme ça? Does he really analyze things in the way you do? Il a la vision du monde comme toi? Does he really look at the world in the same way you Montre-moi. Do? Show me. Que l'onction de l'apôtre sur toi. That my anointing is on you. Arrime-toi sur la vision. Go according to the vision. Traitons les choses. Let's work together. Pose des actes. Behave. Qu'est-ce que Dieu fait avec Adam? What did God do with Adam? À l'image et à la ressemblance. To the image and to the likeness of God. Après avoir fabriqué l'ADN à côté. After creating the DNA on the side. Et puis dit maintenant faisons l'homme. And then he says, let us make men.
qu'il soit à notre image, à notre ressemblance. For him to be to our likeness and also our image. La forme de l'argile. He is shaping him according to the sand. Il met l'ADN dedans. He puts DNA in the sand. Il dit maintenant, je veux prouver. And he said, now I will show. Je veux l'éprouver. God says, I will test. Pour savoir. I want to see. S'il a mon onction. If he has my anointing in him. Donne les noms aux êtres. Okay, now you can give names to animals and everything else. Éléphant, cochon, poule, elephant, coq, lion, maison, rooster, voiture, car. The man Dieu was able est resté en train de regarder. And God was looking at men working. Il dit afin que. He said so that. Le nom que donnerait l'homme. The name that men will give to all things. Reste les traces qu'il a reçu quelque chose de Dieu, Adonai Elohim. Will be marks showing that men received something from God, the Lord Himself. Je n'avais jamais vu Dieu. I never saw God. Dire à Adam. Say to Adam. Viens, je vais corriger la dictée. Come Adam, let me correct what you did there. Tu ne pouvais pas donner à ceci le nom de l'aigle. You could not call that animal eagle. Tu aurais dû lui donner le nom de canard. You should have called him a duck. Dieu a tout laissé et approuvé, il a scellé. God approved everything Adam did when he was naming things. C'est-à-dire que tout ce que l'homme faisait. He said everything man shall do. Répondait exactement à ce que Dieu pouvait imaginer. Would be exactly in the same way God imagined things to be. As-tu l'esprit de l'apôtre? Do you have the spirit of the apostle? Léopold peut mettre la main. Apostle Léopold can même dans les domaines où il n'a jamais étudié. He can even work in areas he didn't study il rendra ce domaine comme un expert. He will work as an expert mais in that area. Aussi, but you also prouve-moi sur terrain. Show me on the field. Mais si tu me boudes. And if you critique, if you criticize me, tu as un autre esprit de Judas en toi. You have the spirit of Judas in you. Verset 16. Verse 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. 70. 70. C'est le chiffre de l'autorité, du pouvoir qui renforce les liens de la communion et de la famille. It is the number of authority and power. He strengthens the bonds of a family. Ils sont descendus en Égypte 70. They went to Egypt, they were 70. Premier examen, le Seigneur Jésus a rassemblé 70, il les envoya. And the first test, when Jesus Christ gathered the disciples, he sent 70 of them first. Et puis il dit, and then he said, parmi les anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Il dit, assemble auprès de moi. He said, gather around me. Venez ensemble. Come together. 70 plus toi. 70 plus yourself. Venez en 71. So there will be 71 of you. Présentez-vous devant moi. Show yourselves before me. Moïse le fit. And Moses did so. Verset 17. What does verse 17 say? Verset 17, Palette. Je descendrai et là je te parlerai. Quand bien même ils seront 70, even though there were 70 of them, quand bien même c'est moi qui ai donné l'ordre qu'ils viennent, even though I gave the order for them to come to me, je parlerai pas à tout le monde. I will not talk to everyone. Je t'adresserai à toi la parole. I will talk to you, Moses. J'aime cette manière de Dieu de faire les choses. I love this way of God of working. Quand la femme pêche. When the woman sinned in the Garden of Eden, Dieu ne vient pas dans le jardin dire Ève, Ève, où es-tu? Il dit Adam. He said Adam. 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 Qu'est-ce qui se passe? What is happening here? Et Adam dit. And Adam said. La femme. It was the woman you gave me.
Dieu lui dit, ah, ah. God said, no, no, c'était pas comme ça. We didn't agree that c'est way. Pas comme ça. That's not the agreement we c'est made. À toi que j'ai parlé. He said, I spoke to you first. Ma parole, my word, je l'ai révélée à toi. Was revealed to you. Et c'est toi qui devais lui révéler ma parole. And you were the one who was supposed to reveal to her my moi, word. Moi, je lui ai pas révélé ma parole. I never revealed my word to Eve. Je t'ai révélé à toi. I gave it to you, Adam. Et tu viens de me parler, tu viens de parler ma femme, ma femme. And now you're blaming your wife. I never spoke to her, I spoke to you. Alors, je vais te punir. I will punish you. You will see. No, 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 no. Il a pas puni. Remember, he didn't punish. Il a pas puni Adam. God never punished Adam. Mais il a dit seulement la terre est maudite à cause de toi. He only said the earth is cursed because of you. Dieu a évité d'attaquer son propre chef-d'œuvre. God didn't want to attack his own masterpiece, which was man. Amen. Il dit désormais. He said from today. C'est la terre. This same earth. Il n'a pas dit toi. He didn't say il you. Il dit c'est la terre. He said the earth, the floor, the qui ground. Qui sera compliqué pour toi. Will be extremely painful and difficult for you from now on. Il est bon, hein? J'entends quelqu'un dire Dieu est bon. Can you say God is good? Maintenant il parle à Moïse, les 10, 70 sont là. He speaks to Moses and the 70 people are there. Il dit, je te parlerai et je prendrai l'esprit qui est sur toi. Oh. Je prendrai une portion d'onction que j'ai déversée sur toi. I will take a part of the anointing that I've poured on you. L'onction qui révèle des choses terribles par les bâtons. The anointing which reveals frightening things by the rod. Qui transforme l'eau en sang. Which is changing water qui into ouvre blood, la mer rouge. Which is parting the Red qui sea, fait jaillir l'eau du rocher. Which is moving water out of the rock. That same anointing. Je vais prendre une partie. I will take a part. Dis-moi que tu es fils ou fille de l'apôtre. Tell me that you are son or daughter sans of the apostle, opérer dans la même dimension que moi. Without working in the sans same dimension comprendre as les choses comme moi. Without understanding things alors in the same tu way es too, fils de quelqu'un d'autre. That means you are not my son. Je vais te contester cette filiation. I will challenge that so-called belonging to me as my son. Pourquoi je le ferai? Afin qu'il le porte. Afin qu'il porte avec toi la charge. And they shall bear the burden of the people with you. C'est-à-dire afin qu'ils deviennent aussi capables. So that they may also be able. De comprendre. To understand. Comment je fonctionne avec toi. How I work with you. Tu ne peux pas porter le fardeau. Tu ne peux pas aider quelqu'un sans l'avoir compris d'avance. You cannot help someone without understanding him before you do so. Pour aider quelqu'un, in order to help someone, tu dois d'abord comprendre comment fonctionne le monsieur ou la dame. You have to understand how that person works first. C'est pour cela. This is why. Quand je disais aux femmes, when I was telling the ladies que la femme here, n'est pas la partenaire de l'homme, that a woman is not a man's partner. Madame, tu n'es pas la partenaire de l'homme. Please, ma'am, you're not the partner of your husband. Tu es son aide. You are her helper. Or, tu peux pas aider quelqu'un que tu comprends jamais le fonctionnement. And you can never help someone who you do not understand. Tu dois comprendre comment l'entreprise fonctionne. You need to know how the business works. Pour savoir où apporter ta touche. In order to know where you can intervene. Sinon, or else, en entrant, tu prendras le commandement d'une entreprise qui t'appartient pas. You take the command of a company of a business that you don't understand. Au finish, il y aura deux commandos. And then there will be two commanders. Et les choses vont capoter. And things will be very complicated in that company. Amen. Afin que so that si la chose qui est sur toi if that thing that's upon est you, aussi sur eux if it's also on ils them, vont comprendre they shall understand. Alors leur soutien sera conséquent. Ah, and then the support will also have results. Quand tu verras Abinadab travailler when you see Abinadab work Moïse tu seras tranquille tu dis, ouf yeah. Il fait exactement ce que Dieu voulait que je fasse. Moses, you'll be at peace. You'll say, oh, finally, someone understands exactly what I want things to be. J'entends quelqu'un dire capacité surnaturelle. Can you say supernatural ability? Encore. Supernatural ability. Dans l'entreprise. In business. Moi, si je cite quelque chose, toi, tu dis capacité surnaturelle. Dans l'entreprise. In business. Dans la politique. In politics. Dans les affaires. In businesses. Dans le ménage.
in the household, dans le cabinet d'avocat, in your law firm, dans le service de renseignement, dans le sacerdoce, in the priesthood. Alléluia. Amen. Ça te rend capable. It's making you able à poser des actes, to work, à faire des choses, to do things que tu ne pouvais pas faire, that you could never do malgré before. Ton cerveau, it's part of malgré your knowledge, ta bravoure, instead of your bravery, malgré ton habileté, instead of your ability, jusqu'à ce que la chose la descende, until that anointing comes down on you. Hey! Amen. Amen. Pour te rendre, c'est pour cela, vous voyez, dans le monde des ténèbres. That's why in the dark world. Un dirigeant d'entreprise, a CEO, même dans les gouvernements du monde, even in the governments around the world, quelqu'un ne peut pas te nommer directeur de son cabinet s'il n'a pas mesuré ta spiritualité. You can never be named a chief of staff if your spirituality is not known. Amen. Il sait que c'est un domaine très sensible. Because he knows it's a very sensitive office. Tu peux émettre les ondes contraires. You can release different vibes and energies around. Il doit assurer. He all needs to know que tu seras inoffensif. That you won't have any issue with him. Tu seras son allié. That you will be his ally. Plutôt que son adversaire spirituel. Instead of being his spiritual opponent. Et c'est pour cela. This is why. Même dans certains mariages. Even in some marriages. Un occultiste. An occultist avant person. Avant d'épouser une femme. Before he gets married to a woman. Il doit aller jusqu'à chercher ses signes du zodiaque. Yeah, he will go and look for his star signs. Parce qu'il veut pas des spiritualités contradictoires. Because he doesn't want the spiritualities to be opposite to one another. Où est-ce qu'ils ont tiré cela? So where did he get that habit? Ils ont copié, imité le véritable. They imitated what God did in reality. Tu dois avoir l'esprit. You need to have the spirit. L'onction. And the anointing. Et tu dois prouver cela sur terrain. And you need to show it in the way you work. Par la compréhension. By your understanding. Et dans la traduction, dans le fait. Qui montre que tu es circoncis dans la chose. And in the way you translate things in order to show that you have been circumcised in a vision. Quelqu'un qui me comprend peut dire amen. Can you say amen? Encore amen. Amen. Let me finish my sermon. Écris ceci. Please write this down. Notez bien. Write this down. Pour prétendre avoir l'esprit et l'onction du Père, in order to have the spirit and the anointing of the Father, pour prétendre la circoncision dans celle-ci, in order to be circumcised in the anointing and the spirit of the Father, tu écris, je dois être capable. Write this down. I must be able. Je dois être capable de faire et de reproduire exactement ce que Dieu a mis dans son onction et ce que Dieu veut et pense en lui. I need to be able to translate what God wants me to do within his anointing. Ce que Dieu veut et pense dans loin, je dois le reproduire. What God is thinking and what he wants in the anointed man, I need to translate those things into fact. C'est le mystère de la sagesse et de l'intelligence de Joseph et de Daniel. It is the mystery of the intelligence and wisdom of Joseph and Daniel. Moi, j'ai eu un songe. I had a dream. Mais je l'ai oublié. But I forgot about that dream. Mais c'est à toi de venir m'interpréter la chose. But I will tell you to translate that dream for me, to explain it. Amen. J'ai vu quelque chose. I saw something. Mais ça m'a échappé. But I somehow forgot about it. Toi, montre-moi. But you show me. Que tu as la chose là sur toi. That you have that factor on you. Entre dans le mystère. Enter into the mystery. Fais le voyage spirituel. And take that spiritual jusque trip. Dans la pensée de Dieu qui m'incarne. All the way to the mind of God which I represent. Et tu me diras, oh homme de Dieu, tu dormais. And you will say, oh man of God, one day you were asleep. Tu as vu une grande statue. And you saw a great statue. Faite de pierre et d'argile.
built out of sand and clay. Et moi je dis exactement. And I will tell you that's exactly c'est what ça, I saw. Exactement. That's exactly what I saw. Au fur et à mesure que tu avances, and as the more you move forward, je commence à te tapoter sur le dos. I will start congratulating et you. Tu as raison. I will say yes, it's c'est true. Exactement ce que j'ai dans that's ma tête. Exactly what I had in mind. Donc, tu dois être capable. You must be able de traduire exactement. To translate exactly, to reproduce exactly. Qui me comprend bien? Do you understand me? Ou qui essaye de me comprendre? Or are you trying to understand me? Non, moi je suis rentré dans l'onction de papa. Et quand quelqu'un dit ça, il voit la solution des guérisons, des exaucements. Non. Ça, ce sont des choses que produisent l'onction, mais l'onction elle-même n'est pas ces choses. Yeah. Elle est plus que ça. People look for the importation for blessings. Remember, the anointing only produces those things, but those things are not the anointing. The anointing is far greater than those things you're looking for. C'est comme quand je parle en langue. When I speak in tongues, for parler instance, en langue, c'est pas le Saint-Esprit. Speaking in tongues is not the Holy Spirit. Ce sont les signes du Saint-Esprit. Those are just signs of the Holy Spirit, but it's not the Holy Spirit itself. Amen. Tu es d'accord? Quand un exaucement arrive, when a prayer is ne altered, sois pas en train de danser autour. Don't just dance around. Prends du recul. Take a step back. Pose-toi des questions parfois froides. Ask yourself objective questions. Comment ça se fait-il? How come? Qu'un être humain, that a human being, fils d'Adam, son of Adam, quelqu'un peut toucher juste son dos, someone can just touch his back, et tomber enceinte, and get pregnant. How come? Comment un être humain, how can a human being, comme moi, like myself, il n'a pas 8 bras, he doesn't have 8 il n'a pas 15 pieds, he doesn't have many feet, mais le même homme dit des choses, or the same man says things, et le ciel confirme ces choses, and God confirms and seals those words. Mais si tu restes seulement au résultat, but if you just look at the results, tu n'auras jamais avancé même d'un pas. You'll never take even one step forward. Il faut percer, aller plus loin. You need to break through and look c'est a là further. Que tu rencontreras Dieu. Only then you will meet God. Il t'attend là-bas. That's where God is waiting assis for you. Assis sur son trône. Sitting on his throne. Il te dira enfin. And he will say finally. Tu es jusqu'à ce niveau. This is the level you've reached. C'est ici que je t'attendais. That's where I was expecting you to be. Amen. Je sais que beaucoup essayent de me comprendre. I know that many people try to understand me. Écris. Write this down. Tu mets un astérix. Put an asterisk. Avant l'impactation. Before the importation. Je suis un être presque ordinaire. I'm an ordinary person. Et je me bats avec mes armes naturelles. And I fight with my natural weapons. Mon esprit humain limité, my limited human spirit, mon esprit humain limité, my limited human spirit, et mes facultés, and my faculties, et mes sens, and my senses, my human senses, naturel, my natural senses, that can be your sight, your smell, your hearing. Avant l'impactation, before the importation, mon intelligence me gère. My intelligence was guiding me. Mes intuitions, my reflexes, mes convictions, and my beliefs. Gère ma vie terrestre. Those things are guiding my life on earth. Et Dieu me considère incapable. And at that level, God looks at me as unable. Je peux me vanter. I can praise myself. De mon intelligence. I can be proud of being intelligent. Mais Dieu trouve que je suis incapable. But at the same time, God looks at me as being unable. C'est pourquoi. This is why. Je peux avoir un semblant de succès. I can have a so-called success. Quelques mois, quelques années, je retombe. But it will only be temporary because a few years later, I will collapse.
Je retombe dans le questionnement. I will collapse and I will start questioning myself. Dans l'incertitude. I'll be full of uncertainty. Dans la peur. I will live in fear. J'ai l'impression qu'on m'en veut de toutes parts. I will feel as if people are after me all the time. Un sentiment d'insécurité m'envahit. I will always feel unsafe. I will have that feeling of being unsafe all the time. Jusqu'à ce que until the day quelque chose d'en haut vienne. Something from heaven will come down. Avec son lot de nouvelles réalités. With a whole baggage of new realities. Que je n'avais jamais pensé ni imaginé avant. That I could never think about nor imagine before. Ces réalités, those realities, sont appelées par la Bible les capacités surnaturelles. Are called in the Bible supernatural abilities. Et tout à coup, and suddenly, j'ai de nouvelles convictions. I will have new beliefs. Que je suis capable non seulement dans mon domaine, mais dans plusieurs. That I will be able now, not only in my area of expertise, but in many different areas as well. Tu commences à ressentir donc. You start feeling within you. Toi, la même personne. The same person. Que tout le monde connaît. That everyone knows. Incapable. Is now able. Qui bat en retraite. Who used to backtrack. Incapable de te décider. Who was unable to make up his mind. Tu vois les événements venir. Used to see things happening to you. Tu te laisses. And you would just backtrack. Et tu les subis. And you would just backtrack. Jusqu'à ce que la chose vienne. One day the anointing will come. La même personne. And the same person. De nouvelles convictions. We have new beliefs. De nouvelles sensations. We have new feelings. De nouvelles espérances. We have new experiences. Tu te rends de plus en plus compte you start noticing more que and more tu es capable that you are able non now, seulement dans ton domaine not only in your area of expertise, mais dans tous les autres domaines but in other areas as well, rien ne peut te résister. Nothing will stand on your way. Amen. Amen. Luc 4, 16. Let's go to the book of Luke chapter 4 verse 16. Luke 4, 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Jésus-Christ, Jesus Christ, Monsieur Jésus-Christ, this gentleman called Jesus non, Christ. Non, jusque-là il est encore Monsieur Jésus. Oh, at this time he was still Jesus. Just Jesus. Juste Monsieur Jésus. Just Mr. Jesus. Regular guy. Il entrait dans le temple. He entered the temple. Selon sa coutume, chaque jour de Shabbat. As it is in the way, in the custom, every day of the Sabbath. Il restait côte à côte. He was sitting comme next, tu es là. In the same way you are, sitting next to people. Et quand les sacrificateurs lisaient la Torah, and when the priests were reading the book, il pouvait se tapoter avec un frère à ses côtés. Amen. He could just actually shake someone's hand when people were reading the Torah. Sans que personne ne sache qu'il était là. And no one knew who he was. Anonyme. Anonymous. Inconnu. Unknown by people. Chaque jour. Every day. Il entrait. He was entering. Jusqu'au jour où. Until one day. Les capacités sont arrivées. Those supernatural abilities arrived. 17. Verse 17. Verse 17. Verse 17. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Les autres jours, on the other days, the previous parfois, times, il était tombé sur le prophète Jérémie. He was on a prophet Jeremiah scripture. Les autres jours, on the other days, peut-être c'était Habakkuk. Maybe he was reading Habakkuk. Mais pour ce jour-là, but for that day, où les capacités devraient venir, when those abilities had to come down, devaient être accompagnées d'Esaïe. They had to be accompanied by Isaiah. Qu'aujourd'hui, that today, les textes que je te donne, the scripture that you are reading, soit les textes de capacité, will be the text of capacities. Ce monsieur,
That gentleman est allé prendre Isaïe. He took the book of Isaiah. Au lieu de chercher notre garçon, instead of looking for someone else, il n'a vu que ce monsieur Jésus. They only saw Jesus as the only person to give the book to. Il dit aujourd'hui c'est toi qui dois lire. He said, Jesus, today you'll be the one reading. Jésus n'a pas dit non, je suis pas prêt, ma voix n'est pas bonne aujourd'hui. Jesus didn't say I'm not ready, my throat is sore. No. J'ai pas bien dormi avant de venir au culte. He said I feel very weak, I can't read today. No, he didn't say quand that. Quand la chose là arrive. When that thing arrives. Ne dis jamais que je suis pas prêt. Don't ever say that I'm tired. Prends ça comme ça vient. Take advantage of the opportunity. Ramasse-moi ça. Take the opportunity. Amen. J'entends quelqu'un crier, je prends. Can you say I'm taking? Je prends l'écriture du jour. I'm taking the scripture of the day. C'est le rhéma de mes capacités. It is a revelation of qui me rend capable. Which makes me able. Pour tout ouvrage. For all works. Dans tous les domaines. In every area. Et c'est aujourd'hui. And it is today. Amen. Amen. Woo! On lui remit. Valette. Et il prend. He gave him the book. Je te donne. Today I'm giving you. Toi aussi tu fais comment? At your turn receive. On lui remit le prophète Isaïe. They gave him the book of prophet Isaiah. Il a déroulé. He opened it. Toi aussi déroule. At your turn open. Déroule. Open your own book. Déroule les bénédictions. Open the blessings. Déroule les capacités. Open the ability. Déroule les percées. Open the breakthrough. Déroule, déroule, déroule. Open, déroule, open, open. Déroule, open. Déroule la open, cascade. Open. Il le déroula. He opened the book. Il trouva l'endroit où il était écrit. Mais moi je te dis, he found the place where it was l'endroit written. Où il était écrit pour toi c'est ici. Let me tell you, the place where it was written for you is here. C'est ici. It is here. Où il était écrit. Where it was written. Que tu serais impacté. That you'll be important. Tu réussirais. You shall succeed. Tu irais de l'avant. You move forward. Tu serais inarrêtable. You will be unstoppable. Immanipulable. Not manipulated by people. Instoppable. And you'll be unstoppable. Je t'entends partout. Amen. À haute voix. Can you say amen? L'esprit du Seigneur est sur qui? What did he say? The spirit of the Lord is upon me. Moi, il est déjà sur moi. That spirit is already on me. Mais maintenant, c'est ton tour. Now it's your turn. L'esprit du Seigneur est sur qui? The spirit of the Lord is upon me. Dieu t'a oint. God has anointed you. Comme Bezalel. Like Bezalel. Comme Oholiab. Like Oholiab. Parfois pas forcément comme prophète. Not necessarily as a prophet. Mais pour te rendre capable. In order to make you able. De designer. To design. De créer. To create. D'être un brillant orateur. To be a great speaker. Quelqu'un qui sait convaincre son auditoire. Someone who can convince his congregation. Dans des conférences politiques. Even in political conferences. Économiques. Even in scientific, even in scientific l'esprit du Seigneur est descendu sur toi. The spirit of the Lord is on you. Pour te rendre capable. To make you able. D'être brillant. To be brilliant. Brillant. To be brilliant. Quand tu raisonnes. When you reflect. Quand tu analyses. When you analyze. Tout things, le monde se met debout. People will stand up. Il dit mais celui-là il vient d'où? They will say where is he coming from? De qui est-il fils? Whose son is this? Et ils vont s'exclamer. And they will all scream. Ça c'est quoi? What is this? Man who? What is this? Man who? What is this? Man who? What is this? Jamais une femme. Never ever. Ne nous a tenu tête dans une conférence comme ça. Has a woman spoken to us like this? Jamais, monsieur. Never ever. Sur le même sujet. As a gentleman. N'a élevé le niveau de débat jusque là. Spoke in the same way as this parce gentleman. Parce que l'esprit te rend capable. Because the spirit is making you able. Capable. Able. Capable. Able. Capable. Able. Capable. Able. Capable. Able. Capable. Able. Amen. Toutes les distorsions. Every distortion. Entre le sujet et le développement. Between your topic and the way it's developed. Je le détruis dans ton cerveau. I destroy it from your brain. Tous
le développement every development incohérent which lacks any coherence hybride, which is not reflected, analyzed. Strange, very strange reflection. Puis finalement, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? And people ask themselves, what is he trying to say? Il ne veut pas dire des choses comme ça. What is he trying to say? We don't understand. À son âge, at that age, l'onction te rend cohérent. The anointing is making you eloquent. Précis. Precise. Audible. Understandable. Ton discours doit être intelligible. Your speech must be full of wisdom. Commence à parler. Start talking. Fournis aux gens les matières. And give people arguments. Ils iront débattre chez eux à la maison. People will start talking about you at their houses. L'impartation arrive. The impartation is happening. Es-tu prêt? Are you ready? C'est ça, recevoir la chose de Dieu. That's what we call receiving. Ça ne s'écrit pas. J'ai l'onction du Père. J'ai l'onction of the Father. No. Quand la chose arrive, when that thing arrives, il dit, sache que understand that je oint Bezalel, I've anointed Bezalel pour le rendre capable to make him able, de l'incapable qu'il était avant, because he was unable before, de l'attirance toujours vers le négatif, yeah, vers le bas, everything, sur les mauvaises choses. Mm. Je l'ai basculé dans les capacités, mais les capacités illimitées. Everything was shifting toward what was negative. I put him into the capacities, the abilities, which are now unlimited. Pose ta main sur ta tête. Put your hand on your head. Put your head on your head. Pose-la très bien. Put it very well on your head. Amen. L'Éternel te rend capable. The Lord is making you able de faire des inventions. To invent. 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 Innove. Innovate. Deviens créateur. Become a creator. Alléluia. Plus que les grands noms des marques d'habillement. You'll be greater than fashion designers. Car l'Éternel te rend capable de créer. Because the Lord is making you able to create. Deviens créateur. Become a creator. Inventeur. An inventor. Innovateur. An innovator. Analyste. In every analyst. Celui qui réfléchit. The one who's thinking forward. Qui réfléchit juste. Someone who's thinking clearly. Profond. Who's deep. Vrai. Who can see efficacement. Right. Who can be que ta parole let your word vienne comme le broche du roi qui était considéré comme la parole même de Dieu. May your word be like the words of the king's advisors. Quand quelqu'un t'écoute, when someone will hear you, qu'il dise amen comme s'il répondait à l'écriture. He will say amen as if he was hearing the scripture itself. La main sur ta tête. The hand on your head. C'est la main de loin qui laisse l'impact d'impactation à toi. That hand is the hand of the anointed man which is imparting you right elle now. Elle laisse les traces d'impactation. It is leaving signs and marks of the impartation. Tu inventeras. You shall invent. Tu travailleras. You will work. L'or, l'argent et les reins. Gold, silver and tu auras l'expertise. You will be an expert. Dans les matières précieuses. You will be a precious value. Car l'onction te rend capable. Because the anointing is making you able. Alléluia. Quelque chose se passe. Something is happening. Tu seras capable. You will be able. De travailler le bois. To work on wood. Charpentier. Where you'll be a carpenter. Menuisier. You'll be a carpenter. Décorateur. You start decorating. Artiste peintre. Whether you are a painter. Batteur de cuivre. Whether you do anything. Reçois l'onction. Receive the anointing of innovation. En matière de montage vidéo. When it comes to editing videos. Et de création. And creating. On appelle ces gens-là créa. We call people creators. Mais toi, crée. Create. Be a creator. Alléluia. Design. Be a designer. Innove des choses. Innovate in the way. Et même les grandes maisons n'ont jamais monté. That great people of this world would never imagine before. Praise God. Travaille le bois. Work on wood. Deviens grand sculpteur de ce pays. Become a great designer in your country. Deviens un grand sculpteur. Became a great creator in your country. Reçois l'onction qui te rend capable. Receive the anointing which is making you able. Quelque chose se passe. Something is happening.
Quelque chose t'arrive. Something is happening to you right now. Reçois l'intelligence spirituelle. Receive the spiritual intelligence. Qui développe des capacités mentales. Which is developing your mental ability. Psychique. Your psychological ability. Moral. Your moral ability. N'aime plus de choses sales. Don't be attached to qui te rend impur. Which makes you impure. Qui étouffe ta spiritualité. Which is making your spirituality uncomfortable. Monte dans l'excellence. Be excellent. Sois capable. Be able. D'apporter une nouvelle touche. To bring a new dans la maison de Dieu. In the world, dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, imprime de nouvelles marques. Bring new que ways. Les gens s'inspirent aussi de toi. Let people be inspired by you. Femme à l'église, men, homme à l'église, men in your church, couple à l'église. Imprimez vos marques. Leave your marks dans la in the maison church. De Dieu. Leave your marks in the devenez church. Une référence. Become a reference. Que les gens vous prennent pour modèle. For people to be inspired by dans you. Leur sujet de prière. I start praying for you. Reçois-la. Receive the deportation. Pour rester en contact permanent avec le ministère de l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo et pour être impacté de son onction partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec nos principaux programmes évangéliques. La grande campagne de la destruction des hôtels, la quinzaine prophétique, le séminaire ciel ouvert ainsi que le grand culte de chaque dimanche matin. Pour plus de précisions, rendez-vous au grand temple du ministère Amen, 8e rue limitée industrielle dans la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ou soit contactez-nous directement au numéro téléphonique et adresse électronique ci-après.